de l'art d'utiliser des espions. C'est l'article 13 de l'art de la guerre, le dernier chapitre de ce livre que tu peux découvrir dans le lien en description ou en audiobook, pareil, en description sur Audible avec un lien gratuit si jamais tu n'as pas de compte Audible pour l'écouter, ce livre. Aujourd'hui, on va voir du coup cet usage des agents secrets de l'espionnage dans l'art de la guerre. Il y a deux points importants qu'on va voir aujourd'hui. C'est concrètement pourquoi c'est extrêmement important d'utiliser l'espionnage. Et ensuite, comment concrètement est-ce qu'on fait? Quels sont les cinq types d'espions que tu dois avoir dans, dans ton armée et dans l'organisation de ton gouvernement si jamais tu es un chef de guerre. Alors, le but aussi de cette vidéo, c'est de te donner des conseils pratiques que tu peux utiliser dans ta carrière d'active worker. Donc on va essayer au fil de l'eau de disséminer différents conseils. Tant et si bien que c'est pas forcément facile puisqu'on parle d'espionnage et en tant que cadre salarié, on n'est pas tout le temps en train d'être parano, en train de se dire est-ce que quelqu'un est en train de m'espionner ou est-ce que je suis pas censé être en train d'essayer d'obtenir des informations. Donc voilà, le but de cette vidéo n'est pas de te transformer en quelqu'un de parano, ça c'est important. Donc pourquoi est-ce que c'est extrêmement important l'espionnage dans une guerre? Quand tu engages une guerre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu engages énormément de ressources et que ces ressources, elles vont consommer, pendant que la guerre s'effectue, elles vont consommer les ressources du pays, de la population qui est en train de travailler, qui est en train de générer des revenus. Et ces revenus vont être directement injectés dans l'armée, dans les munitions et dans tout ce qui va permettre de gagner la guerre. Et ça, il faut comprendre que le problème que ça pose, c'est que plus la guerre dure, et plus c'est un risque pour que le royaume diminue, tout simplement parce qu'il est en train de cramer sur ses propres ressources, du temps et de l'énergie et des gens, tout simplement en envoyant des gens à la guerre. Et du coup, c'est quelque chose de dangereux. Et donc, il y a un point important, c'est qu'en fait, le facteur clé de succès dans tous les cas de la guerre, c'est l'information préalable. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on a vu dans l'art de la guerre, c'est que l'information sur le terrain, l'information sur le déplacement des troupes ennemies, pardon, l'information sur l'état des troupes actuelles, l'information sur les gouvernements extérieurs, c'est ça qui nous permettait de prendre des décisions. Si tu n'as pas cette information-là, quelque part, tu ne peux pas prendre la décision et la bonne décision d'attaque, et donc tu es obligé d'investir là-dessus pour pouvoir mener la bataille. Donc ça, c'est le premier point extrêmement important de l'art de la guerre, c'est que tu es obligé d'investir énormément sur ton système d'information, sur ton système d'espionnage pour pouvoir mener la guerre. Si tu ne le fais pas, tu risques tout simplement de mener une guerre trop longue. C'est un peu ce qui se passe avec la Russie en ce moment. Et quand tu mènes une guerre trop longue, à la fin, le peuple il souffre tellement que ça finit par se retourner envers le souverain du pays qui est tout simplement en guerre. Voilà, donc c'est important de mener ça. Et ce que nous suggère Sun Tzu, c'est d'avoir cinq types d'agents secrets. Ce qui nous explique, c'est qu'il y a cinq types d'agents secrets. Le premier, c'est les agents indigènes. Deuxièmement, c'est les agents intérieurs. Ensuite, on a les agents doubles. Ensuite, on a les agents liquidables. Et enfin, on a les agents volants. Alors, les agents importants à avoir sous sa coupe, ce sont les agents doubles. Les agents doubles, concrètement, c'est des gens que tu vas recruter et qui vont que tu vas identifier comme des agents de l'ennemi qui sont dans ton territoire. Et l'avantage, c'est qu'ils vont te permettre de recruter les deux premiers types d'agents. Donc l'idée, c'est de te faire tiens les hommes que l'ennemi a envoyés. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu vas pouvoir obtenir les agents indigènes et les agents intérieurs. Les agents indigènes, ce sont simplement des ressortissants du pays extérieur. Donc c'est des gens qui appartiennent au pays extérieur. Les agents intérieurs, c'est pas seulement des ressortissants, c'est des fonctionnaires qui font partie du gouvernement extérieur. Toi, tu as besoin d'agents doubles pour recruter ces deux types de personnes. Et après, tu as deux autres types d'agents. Tu as les agents liquidables et les agents volants. Les agents liquidables, c'est des gens qui vont te servir à disséminer de l'information. C'est des gens qui parlent trop. C'est des gens que tu vas soudoyer, que tu vas utiliser sans vergogne. Et
que tu seras prêt à lâcher sans aucun problème, tout simplement parce que c'est des gens qui diffusent de l'information sans réfléchir. Et puis les agents volants ou agents vivants, dans cette version-là, il y a une petite confusion là-dessus, c'est des gens qui sont susceptibles de t'apporter de l'information. Donc finalement, il y a des gens qui vont diffuser l'information, il y en a d'autres qui vont t'en apporter. Et c'est ça les cinq types de personnes qui sont extrêmement importantes. Ça paraît anodin, mais la dernière phrase du livre, j'ai envie de te la lire parce qu'elle est importante. Les opérations secrètes sont essentielles dans la guerre. C'est sur elles que l'armée se repose pour effectuer chacun de ses mouvements. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est te poser la question. Sur ces cinq types d'espions, est-ce que dans ton contexte actuel, bah, t'as pas besoin de ce type de personnes-là pour mener ton projet. Des gens qui viennent de l'équipe adverse, d'une équipe qui a un intérêt différent, qui vont peut-être potentiellement avoir besoin de travailler avec toi et qui vont t'aider à recruter bah, des agents de l'équipe adverse et puis des agents inclus dans la gouvernance de l'équipe adverse. Et puis à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont être susceptibles de diffuser de l'information pour toi et des gens susceptibles de ramener de l'information. À partir du moment où tu es capable de répondre à ces cinq questions-là, sans doute que tu repars de la vidéo avec un peu plus de sagesse entrepreneuriale ou intra-entrepreneuriale si tu es cadre salarié. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!